On va pas rester là pendant 8 heures. On finira bien par trouver un truc. Ou une idée. Chose. Le truc, c'est que si je passe 10 minutes à regarder le cerf-volant et qu'en fait c'était pas ça, c'est 10 minutes de live où je fais rien. C'est à la fin du live. Et j'aurais plus envie. J'ai envie de souffrir. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? La flamme? Voir le reflet d'un objet, mais... Peut-être que je me trompe. Ah, un troisième collier de perles. 13 de Vita. Ça c'est le magasin. C'était là. C'est l'arrière du château. À côté du patin de carpe. Et il y avait l'air d'avoir pas mal d'ennemis dans le coin. On n'y avait pas continué. On n'avait pas continué par là. Pourquoi, comment? Je me rappelle plus. Certainement parce que je voulais aller à l'hôpital Senpo. Au temple Senpo. Au temple Velpo. Hôpital Senpo. Hôpital Velpo. Quelqu'un n'a pas encore compris la plaisanterie. Ah, toi aussi tu utilises le style Asaina alors. J'utilise vachement mon con. Hey, salut Scofinou, bienvenue sur Bakel Live. Mais c'est pas carré Baka pour te défendre, arrête. Oh. Pourtant j'ai pas joué à Dark Souls depuis longtemps. Qu'est-ce que je masturbe? Putain, mais ça le bloque pas quand je l'attaque, quoi. D'accord. Non mais c'est bon, j'ai compris, t'es plus fort que moi. On dirait moi la première fois que j'ai joué à Dark Souls. Ah non, mais moi la première fois que j'ai joué à Dark Souls, c'était bien pire que ça. Ah mais j'ai franchement j'ai pas touché la manette pendant une semaine, j'ai l'impression de ne plus savoir jouer quoi. Et d'ailleurs c'est pas une impression parce que vu comment je joue.
une PS3 ou pas? Ouais, j'ai une PS3. Ouais. Et là, on joue sur une PS4 Pro, hein. C'est une Sekiro. Hein. Par contre, le problème, c'est que comme je stream à 480p, vous avez l'impression que c'est pas beau. Et normal. Enfin, normal. On peut le tuer par derrière, lui? La petite vengeance. Ah. Bon, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Ok. Ça te dirait de jouer avec moi un de ces jours sur la PS3? C'est pas que ça me dirait pas, c'est que il faut savoir quel jeu et faut que j'ai envie. Ah ouais, quand même. Je vais te dire tout de suite que si tu me proposes de faire du FIFA par exemple, il y a zéro moyen qu'on joue ensemble. Pas une critique, hein, vous avez tous droit d'aimer FIFA. Pas mon truc. BO2. C'est même pas c'est quoi BO2. Je n'ai pas tout. Je n'ai pas la moindre idée de quoi tu parles, mon ami. C'est pas des poissons? Call of Duty Black Ops 2. Ah ouais, non, mais en fait, on va pas pouvoir jouer ensemble. C'est des jeux que j'ai pas. Enfin, si, je dois l'avoir, Black Ops 2. Attends. Que je l'ai, celui-là. Faudrait taper info pour savoir. Hop. Pas dire de conneries. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais il y a plein de sauts de ligne qui ont été faits. Bonne journée.
C'est l'occasion d'utiliser le Mikuru. Mikuru. Non? Mikuru? Pas Mikuru. Vas-y, Mikuru. Non, le contre Mikuru. Mikuru, j'ai dit! Mikuru comme ça! Bon, j'avoue, c'était pas trop du Mikuru. Et il a senti mon Kuru. Ah, on peut les espionner. ヒューマタラヌとモースか。クーノはもちろんですが、傷口や仏さんの清めにも医療でして、これだけ人死にが続いてはということじゃない。おかげで草場病にかかる者も多うございます。そうか。ファトブレ。なんとかして。 Ça, ça doit être l'information qu'il faut pour le marchand, je pense. Dès qu'il voulait savoir ce que... Ce dont les soldats avaient besoin. Utiliser la barrière. Dans la nature. D'accord, ça a l'air d'être la patrie des singes, là. Hein. C'est tout chelou, parce qu'en fait, en même temps, il y a des singes, et en même temps, il y a encore des temples et tout. Hein. Pas censé être une vallée abandonnée, ou je sais pas quoi, où il n'y a plus de loi et machin. Là où ton maître s'est entraîné pendant des années. Le sculpteur. Non, c'est le sculpteur qui sont là-bas. Avec son pote. Ça serait pas mal qu'on valide ce point d'expérience avant de mourir. Poids d'anguille, un remède miraculeux capable de bannir les éclairs. Offert à l'hôtel, réduit grandement la masse de dégâts reçus par les chocs éclairs. Quelqu'un qui va faire de l'électricité. Ça a l'air productif. Ah, il y a un point de sauvegarde. Putain, on dirait la zone où il y avait le serpent. La vallée engloutie. Ah ok, comme ça. Moi je dis pourquoi pas, hein. J'ai joué...
pas la jouer soft. Pas contrariant. Je vais la jouer hard. On va la jouer hard. Il faut aussi avoir un canon dans mon sabre. Ah parce que pourquoi il y aurait qu'eux qui auraient des lance-canons. Pas juste. Pas juste. Ah ouais, les mecs te tirent à travers le mur, en l'air, comme ça là. Ça a en effet l'air d'être une zone de non-droit, ouais. Comme qui dirait le chef. Ah putain, il y a un canon. Ah, je pense que ici, pour récupérer de la poudre noire, ça doit rôtir. De celui-là, hop, ça t'es mort. Je vais me laisser tranquille. De la magnétite, parfait. Maintenant, on va s'occuper de celui-là. Ah ouais, non, mais. T'es pas un peu OP, toi? Trouver un point de sauvegarde. Non, on va y passer. On va y passer. Quand même. Le fort, il est bien plus formidable que nous le pensions. Nous avons à présent d'y aller sans la préparation. Ah, je parle, j'entends la cloche du tempo. Ouais, je l'ai sonné tout à l'heure. Pourquoi?
Votre pote Sempo. L'hôpital Velpo. Ah, il revit à chaque fois. D'accord, lui il est là normalement. On peut se faire une petite zone de farm. Tranquille. Bon, ça a pas l'air d'être au cœur. Hein. Ça a l'air d'être compliqué. J'en veux pas, je m'en vais. Oh, tu peux m'en vouloir si tu veux. Pas de soucis. Oh, j'avais pas vu qu'il fallait sauter. Quelle bande de... thérapeute. Là c'est de ma faute. On peut pas dire l'inverse. J'ai joué avec le jeu. Le jeu m'a dit bon écoute, un moment faut arrêter les conneries. Oh, aide divine, parfait. Je voudrais juste... Oh putain, j'aimerais bien safeiser le point d'XP en fait. Une fois lui tué, les deux autres sont free. Et free tuer free. Ah, on a sécurisé le point de réalité. Bon, ça c'est bien, on a ciré. On a sécurisé le point d'XP, bon. Bien. On va essayer d'aller tuer Zyu Rouge. Yeux de serpent, je me rappelle. Ah, le nombre de mecs qui tirent dessus, c'est juste abusé, quoi. Yeah.
Putain, il te met des tartes! Des tartes nucléaires qu'elle te met! Pouh! Je suis pas censé être là ou quoi? Pourquoi tout le monde me fait si mal? Je pourrais passer par la force et aller à la suite du pont, mais j'ai l'impression que je prends un peu cher en fait. Peut-être que si j'avance un peu, je vais découvrir qu'il me manque un objet. La petite plaque de métal à mettre sous son torse. Qu'est-ce que tu fais, paquet? Putain, mais y'a rien qui peut le stopper, quoi. Le mec, quand il lance son coup final, c'est fini. Il est parti, quoi. Ah putain, c'est une esquive Mikuru qu'il faut poser sur le coup final. Putain, c'est un coup des stocks. Hein? Ok. Ah là, c'était sans faire exprès en plus, hein. Oh! La première petite perle.
Bon, on va essayer les murs, hein. Ah ouais, d'accord. On veut pas, je m'en vais. Oh, tu peux m'en vouloir si tu veux. J'ai tué la vieille, je reviens. Ça me tente pas trop. Vous voulez pas rentrer chez vous, les gars? エマド、あれは一体、こっちの水道、どう呼ばれている。はい、飲んだものは、名前が死なない。そして、落ち水もまた、その源は、流因にあるというのだな。はい、エマド、私には、流因が尊いものだと、とても思えぬ。 Vous voyez pas que j'étais en train d'écouter une discussion? C'est très mal poli de votre part.
La première technique que Kenshin apprend à Yakushiro dans Kenshin le Vagabond, si les adversaires sont trop nombreux, tu cours et tu les affrontes l'un après l'autre quand ils finissent par arriver. Technique sacrée de Kenshin the Vagabond. Un antique sabre court dont la lame est teintée de rouille bleue. Elle peut être insérée dans une prothèse de Shinobi pour devenir un outil de Shinobi. Oh oui, oh oui. Oh. Avoir une lame supplémentaire. Ah mais c'est pas là où il y avait le général. C'est là. Carrément arrivé là quoi. En plus on devait pas aller voir le marchand. C'est dingue parce que les ennemis ici me donnent 21, ceux là où on s'est arrêté tout à l'heure, les mecs avec la lance pistolet ils donnent 170. Je sais pas si vous imaginez la différence. 21, 170. 70 fois plus, oui. Et non, arrêtez de dire de la merde, c'est pas vrai. C'est plus de 80 fois plus. C'est pas grave. Voyager les alentours. Celui-là, je crois. Avec le marchand. サムライト本当ですか。なるほど。風のはもちろん死人の清め戦場で死体が腐れば皆塩もう何塩があれば助かるものが多い。その時まれば死なな。ありがとう。誰だ。塩がうまく売れたらその時はぜひ。 J'ai passé un peu de temps. Bon, maintenant qu'on sait que les samouraïs bleus font le contre Mikuru. Faut que je m'y réentraîne. C'était de la merde. Ça c'était pas mal, mais c'était quand même de la merde. Oui, il fallait qu'on aille voir le sculpteur. Avoir une nouvelle arme. Et tout le monde sait que j'aime les nouvelles armes. Les passifs du Vassal et Ina sont assez énormes aussi. Et je pense que les passifs ici doivent être sympas. Le temple est sympa. Ça.
Putain, c'est toujours pas ça, quoi. Un stack de je sais plus quoi là de pro spécial mais Un outil de prothèse fabriqué avec une lame de cibole permettant une série d'attaques rapides avec le sabre Ekut, des emblèmes spirituels, le poison de rouille bleue sur la lame de Subaru applique de l'altération d'état poison. La légende veut que la rouille bleue venimeuse de la lame soit capable de repousser même les inhumains guerriers Okami. Il est probable qu'elle soit efficace également contre leurs descendants. Bon. Ça a l'air bien.